هست که ما تجربه داده بودم. بعدش باز ما این مسابقه را دادم و بعدش اینی مسابقه بود که ما در کابل دادم. یک لحظه. این مسابقه است که مسابقه پروفشنال است. خاطر خوش زندگی ما اونمو بود که ما از کابل آمدم و با مادر خود گفتم که مادر تو برم میگفتی ورزش نکن نکن که امروز ما برنده شدم. ما مدال آوردم و انشالله اگر زندگی بود ما میرم خارج مسابقه میکنم و کار میکردیم. مکتب میرفتیم، تمرین میرفتیم. همه چیز بود. خوراک آماده بود. نان آماده بود. کالا آماده بود. همه چیز بود. و هیچ غم و اندوهی نداشتیم. هیچ شکایت از زندگی نداشتیم. و خیلی هم برای ما خوش میگذشت. امیال هم ما که زندگی سابقی خود یاد میکنم و بسیار تق میشم پشت زندگی خود. ما زندگی سابقی خود از یاد برده نمیتونم. چرا که نمیه پس زندگی و لحظات پس نمیه که ما چی رقم زندگی کردیم و امرای پدر جان، امرای مادر جان میشه یادم میه و براتون بگویم که خوب بود بعض مشکلات بود که آره کشان با مسافری پدر، مادر، زندگی، خواهر ریزی مانده دوستش دارم کاکا و بچه کاکا و بچه ما همه شرح ها کردیم ولی باز هم امید دارم که بعد از این زندگیم بهتر شود. امید عزیزتم که باز یک دفعه پدر جان و مادر جان خود ببینم تا آغوش بگیرمش بگویم که بچه تان باز آمد. پدر، مادر، زندگی، خواهر ریزی مانده دوستش دارم بگیم بهتر شود. امید عزیزتم که باز یک دفعه پدر جان و مادر جان خود ببینم تا آغوش بگیرمش بگویم که بچه تان باز آمد. Eh bien, ce témoignage de Razouli, je trouve qu'il est vraiment très, très intéressant sur ce qu'il dit de la dynamique de ces migrants qui arrivent chez nous. Et à lui seul, avec ces 3 minutes, il déconstruit pas mal d'idées qu'on a sur les migrants. D'abord, ça commence, il dit que c'est un champion. C'est un champion de boxe. C'est pas un pauvre gars qui est arrivé ici parce qu'il avait rien. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de ressources dans son pays, qui avait une belle vie. Donc premier constat, et ça on le voit bien nous dans les études qu'on fait, ceux qui arrivent à partir et arriver chez nous, ce sont des gens qui ont beaucoup de ressources parce que pour faire ce périple-là, il faut être un champion, il faut avoir les ressources en soi. Et puis savoir trouver les ressources autour de soi pour partir, pour faire le trajet, pour arriver. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il insiste beaucoup sur le fait qu'il avait une belle vie. Et ça aussi, on se dit toujours, mais voilà, c'est ces miséreux qui ont fui la misère. Non, il avait une belle vie, donc qui lui manque aujourd'hui, il le dit, il le redit. Mais il a été obligé de partir. S'il avait pu, il serait resté chez lui. Parce que très souvent, quand on parle de l'immigration, sinon de la migration, on a tendance à oublier qu'il y a un avant, la migration, et cet avant-là, il peut être glorieux. Et donc, quand on raisonne en termes de migration, là, on voit effectivement quelqu'un qui était dans des conditions sociales, économiques, familiales, qui étaient très, très chaleureuses. Donc, à la suite de ça, il y a un événement qui arrive et qui le contraint à la migration. Et là, ça montre en fait ce qu'on observe de plus en plus dans les données d'enquête, c'est cette catégorie de migrants forcés, donc migration forcée, qui partent de leur pays, soit parce que il y a eu pour des questions de violence politique ou parce que il y a toute une
une situation politique qui contraint à la violence, soit pour des raisons personnelles, mais qui sont également contraintes. Ça peut, pour les femmes notamment, on parle d'excision ou de mariage forcé. Donc, il peut y avoir un ensemble d'événements comme ça qui contraignent les personnes à migrer. Donc, il faut également regarder, pas seulement comme étant une catégorie de migrants, mais comme étant des personnes qui ont besoin d'être accueillies, des personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans ce processus-là de reconstruction où ils vont puiser dans leurs ressources. Et là, ils puisent effectivement dans cette nostalgie-là de j'avais ça, j'avais une vie heureuse, et là, aujourd'hui, j'ai l'espoir à la fois que la situation s'améliore, mais également de revoir les miens, parce que c'est aussi ça, un attachement à l'ailleurs qu'on a perdu. Donc, c'est assez important d'accompagner ces personnes dans ce processus-là, que ce soit par un processus ou une intervention d'empowerment, de résilience, mais que la société également contribue à les aider dans ce processus de reconstruction. Puis la troisième chose qui est très, très forte et qui correspond bien aussi à ce qu'on sait, à ce qu'on voit dans les études, c'est qu'à la fin, il dit, j'espère une chose, c'est pouvoir revenir enfin, chez mes parents et leur dire, votre fils est revenu. Et ça, il y a une très belle étude qui s'appelle MAFE sur la migration entre l'Afrique et la France qui a montré que la première chose que les immigrés font quand ils ont enfin des papiers, un titre de séjour, c'est de rentrer chez eux, voir leur famille. Mais on ne peut rentrer chez soi que si on a un titre de séjour qui vous permettra, qui vous donnera la liberté de faire l'aller-retour. Donc voilà. Donc en fait, ce qui bloque les gens chez nous, c'est le fait de ne pas avoir de titre de séjour. Quand on a un titre de séjour, on peut recirculer voilà, et on rentre chez soi souvent.